précédemment dans The Promise, le serment. Qu'est-ce que tu lis ? Le journal de mon grand-père. Il était soldat britannique ici après la guerre. Vous devez savoir que ces Juifs considèrent leur retour vers la Terre Sainte comme la concrétisation d'une promesse que Dieu leur a faite. On y va, sergent ? Oui, allons-y. Mettez-vous sur une ligne ! Allez, les gars, on avance et on les rassemble sur la plage ! Santé. 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 C'est carrément le paradis, ici. Ouais, en quelque sorte. Vous appréciez Clara ? Beaucoup, oui. Dites-lui que vous avez accès à un tas d'informations très sensibles et que vous seriez heureux de rencontrer ses amis. Les checkpoints ne servent qu'à une chose, rendre la vie des Palestiniens impossible pour qu'ils se lassent et finissent par s'en aller. Je suis désolé de ce qui est arrivé à vos amis. C'est totalement inacceptable. Bienvenue en Israël, Erin. Tu viens d'avoir un condensé de la vie quotidienne des Palestiniens dans ce pays de merde. Merde, j'ai oublié mon portefeuille. Attends-moi dans la voiture, je reviens tout de suite. Monsieur. Oui, s'il vous plaît. Merci, je vous en prie. Rigoler un peu avec le charvoilà, sergent. Ça le dérange pas, hein, Abdul ? Non, monsieur. Vous avez raison, Miggs. Ça ne le dérange pas du tout. Surtout qu'il va bientôt pouvoir regarder son reflet dans sa théière, tellement vous allez bien la faire briller. Mais ça attendra demain, après que vous ayez fait 10 fois le tour du camp à 5h du matin. Vous n'oublierez pas celle-là. Non, sergent. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Aidez-le à ramasser tout ça. Thank you.
Tu as une relique de singe je sais pas qui à l'intérieur. Comme toutes les croix sur l'étalage. Oui. C'est très sympa. Bon anniversaire. Bonjour. Ça va? C'est quoi leur problème? Ils espionnent pour Entry, ces enfoirés. Oh. Vous avez brodé les initiales vous-même? Je te donnerai mon cadeau tout à l'heure. Enfin, si tu es bien sage. Ah. Tu devrais te méfier de cette fille. Elle va te manger tout cru. Je suis sérieux. Ah oui? Ça me rappelle une histoire de poutre et de paille. De quoi tu parles? Un passeport et la bague au doigt. Voilà ce qu'elle veut, ta petite Clara. Je suis surpris que vous vouliez encore me voir après ce que votre père a dit. Vous oubliez que je suis payée par la municipalité pour rendre votre séjour agréable? Alors c'est rien de plus, juste un boulot. Rien de plus, oui. Ce serait quoi si c'était pas ça? Je me sens plus à l'aise avec les Européens. Les Juifs qu'on appelle les Sabras, ceux qui sont nés ici, quand ils nous parlent, ce n'est pas pour devenir amis. S'ils vont voir une femme, c'est qu'il y a un projet de mariage. C'est un rendez-vous d'affaires. Et ça ne vous intéresse pas, le mariage, alors? C'est surtout pratiquer l'anglais qui m'intéresse. Vous seriez prête à retourner vivre là-bas? En Europe? Difficile à dire. Peut-être un jour. Excusez-moi, je vous ai retenu trop longtemps. Non, je vous assure, mais j'ai un briefing important au quartier général. Alors vous devriez me raccompagner chez moi. Il vaut mieux que je vous dise au revoir ici, pour pas mettre votre père en colère. Il est pas à la maison. Il y a personne. Vous venez boire un café?
tu te conduis comme un vrai Sabra. Ils font l'amour avec une femme et elle se réveille seule. Tu sais pourquoi je m'en vais? Si le colonel m'attend, ils me renverront à la maison les fers aux pieds. Je suis sûre que le colonel sera prêt à t'accorder 5 minutes de plus. S'il te plaît, Len, reste encore un peu. Au club, on a vu. Rentry pense que tu devrais laisser cette fille tranquille après ce qui s'est passé avec son père. Bien. Asseyez-vous. Opération Bulldog. Nous allons procéder simultanément au bouclage et à la fouille de la ville de Tel Aviv, ainsi que de tous les villages environnants. Les hommes juifs assiégés pour être enrôlés dans l'armée devront être interrogés. Il faudra fouiller les maisons, les bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux, les usines, les synagogues, pour vérifier que des armes n'y sont pas cachées. Cette opération mobilisera 17 000 soldats et durera 4 jours. Notre intention est de briser leur armée clandestine, l'Irgun, en une seule frappe décisive. Rondry? Pas un mot sur cette opération à ceux qui risquent de transmettre des renseignements à ces voyous terroristes, avant leur hache. Ce qui veut bien sûr dire que pas un seul détail ne doit passer à portée des yeux ou des oreilles de tout employé, qu'il soit de l'administration militaire ou de l'administration civile. Et cela veut dire aussi que nous avons tous les deux laborieusement tapé ces volumineux dossiers à la machine de nos mains délicates. Un véhicule a explosé dans la rue, mon colonel. Il y a des victimes ? Oui, je crois, mon colonel. Ne restez pas dehors, vous allez vous faire tirer comme un lapin. C'est là, sergent. Je viens de la part du colonel Red, messieurs. Il suggère de ne pas rester sur le balcon ni trop près des fenêtres en cas d'une nouvelle attaque. Thank you.
Boydie. Boy. Koevlar? Makarala. Koevlar? Désolée, je parle pas hébreu. Je... Vous inquiétez pas, venez avec moi. Je cherche l'ami avec qui j'étais. Asseyez-vous là. Un médecin va venir dans un instant. Paul! Paul! Oh, je suis désolée. Je me sens... Attends, j'entends rien, ça résonne encore dans mes oreilles. Comment t'as fait pour t'en sortir? Je t'ai cherché partout, mais je t'ai pas trouvé. Paul! Ça va? Oui, papa, ça va. Ça va? Je vais bien, oui. Dieu soit loué. Ça va. Oh, Dieu soit loué. Et toi, Erin, tu veux que j'appelle un médecin? Vous inquiétez pas pour moi, ça va. D'accord. Merci d'avoir téléphoné. Est-ce que vous m'entendez? On va la dégager. Ça va, ma belle? Vous m'entendez? Dégagez-la. Vas-y. Allez. Désolé. Attention. Attention. Ouais. Doucement, c'est ça. Attention, pas tomber. C'est bon. Voilà. Doucement. Allez. Savoir. Ce qui me prend, c'est que je viens de déterrer mes amis sous plusieurs tonnes de débris. Je sais, c'est affreux. J'ai aussi deux amis qui travaillaient là-bas. Ils ont été tués. Mais... t'es en colère contre moi? Pour quelle raison? Pourquoi tu as fait l'amour avec moi, Clara? Mais, enfin, qu'est-ce que c'est que cette question? Tu sais pourquoi... pourquoi j'ai fait l'amour avec toi? Vraiment? Tu t'es décidé après que je t'ai dit que j'étais attendu à l'hôtel King David. Et là, tu as fait tout ce que tu pouvais pour m'empêcher d'y aller.
Tu savais pour les bombes. Tu as essayé de me protéger. Ne me protège pas. Non, arrête! Oui, c'est vrai. C'est vrai que je ferais n'importe quoi pour te protéger, t'as raison. Mais je savais pas que des bombes devaient exploser. J'ai seulement essayé de te montrer que je t'aime, c'est tout. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes le Charwala ? Oui, monsieur. Venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, venez vite, ici. Je tue le prochain connard qui pose la main sur lui! Personne! Je répète! Personne! Ne se fait trier à la brosse dans cette compagnie! Quels que soient les événements qui se produisent à l'extérieur ou les provocations qui nous sont faites, c'est hors de question! Ceux qui désobéiront me trouveront sur leur chemin, et je vous promets que les sales petits merdeux de ce genre auront de quoi le regretter jusqu'à la fin de leur vie! Est-ce que j'ai été assez clair? Encore un tir au flanc. Regardez ceux qui sont ici. J'ai l'impression d'être un imposteur. Ils ont dit que je puais, sergent. Tu sais très bien ce qu'ils ont dans la tête, Alec. Et ça n'a rien à voir. Je peux te trouver un bateau pour rentrer, si tu veux. Non. Non, sergent, je reste avec vous. Je voulais vous remercier d'être venu me chercher tout à l'heure. Bon, allez, encore merci. Je suis triste pour la mort de vos amis, monsieur. Merci. Pardon, je ne connais pas votre nom. Abu Hassan. Mohamed, monsieur. Merci, Mohamed. Dis-moi, Erin, ça va ? Oui, oui, je vous assure, ça va. Tu préfères rentrer dans ta famille ? J'en sais rien. Tu as été incroyablement courageuse. Mais on veut que tu saches que si tu as besoin de rentrer tout de suite, il n'y a pas de problème. On s'occupera du voyage. Elisa comprendrait. Je te laisse décider, ça te va? Et en tout cas, je préférais que tu téléphones tout de suite à ta mère. Évite-lui d'apprendre ça en allumant la télé. Allez. Thank you.
Bonjour, c'est Chris. Je regrette de ne pas pouvoir prendre votre appel. Laissez-moi un message après le bip et je vous rappellerai. Bonjour. Oh, Elisa, t'es là. Ouais, excuse-moi, j'allais venir te voir. J'ai droit à une permission exceptionnelle. Et toi, ça va? T'as l'air un peu... Ça va. Je suis juste un peu secouée. Ça fait longtemps que t'es assise là? Je sais pas, un petit moment. Papa a dit que t'avais été formidable. Merci. C'était rien comparé à lui. Il était sous les décombres. Ce qui est bizarre, c'est que... En fait, je le connais pas vraiment. Pas comme je te connais toi, ou comme je connais Lottie. Tu sais, je le vois seulement... deux fois dans l'année. Et on fait que se disputer. Mais je sais pas. Quoi? C'est trop dur de... C'est trop dur à supporter de le voir allongé comme ça. J'arrive même pas à expliquer, c'est mon grand frère. Là-bas, les autres avec qui je m'entraîne, ils sont tellement réac. Du genre, rien à foutre des Arabes, il faut les jeter à la mer. Et moi, je suis là. Ne soyez pas aussi racistes. Essayez de comprendre leur point de vue. Leur réaction, c'est qu'une sale gaucho. Ce qui est vraiment très loin de la vérité. Je sais, ce que je dis, c'est ce que les gens disent à Londres quand on parle de ça. C'est vrai. Quand je pense à ce qu'il a, à tous les efforts de Paul avec eux, il ne pense qu'à une chose dans sa vie, c'est à essayer d'aider les Palestiniens. Et regarde, voilà ce qu'ils lui ont fait, les Palestiniens. Bizarre. Quoi? Mon grand-père vient d'être victime d'un attentat, lui aussi. Regarde. C'est l'hôtel King David. Oui, mais comment tu le sais? Tout le monde en a entendu parler. C'est hyper connu. Bonjour. Bonjour. Tu te sens comment? Excuse-moi. Attends. Voilà. Je vais chercher tes parents, ils sont à table. Et toi, tu manges pas?
J'avais pas faim. C'était un frère et une sœur. Ceux qui ont posé la bombe. Ils viennent de le dire aux informations. Mais oui, je les ai vus. Je crois pas que je te l'ai dit. En fait, je suis revenue vers toi à cause d'eux. Ils avaient l'air bizarres, j'ai senti quelque chose n'allait pas. Ces gens-là sont des animaux. Voilà ce qui ne va pas. Ah, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, quoi ? Ils doivent te faire exploser en combien de morceaux pour que tu vois les choses en face ? Comment peux-tu les défendre après ce qu'ils t'ont fait aujourd'hui ? C'est pas drôle, Paul. Tu sais que 6 personnes sont mortes dans ce café ? Tu as raison. C'est pas drôle. C'est pitoyable. Tu dis que les gens qui m'ont fait ça sont des animaux ? Au fond de ton cœur, tu sais que c'est vrai. Irine, montre-lui la photo de ce qui est arrivé à ton grand-père. Celle que tu as montrée à Elisa tout à l'heure. T'as entendu ? Je croyais que tu dormais. Il était dans l'hôtel ? Je sais, c'est affreux comme coïncidence. Ça n'a absolument rien à voir. Ah oui ? Moi, je crois que c'est exactement la même chose. Des gens qui font tout péter parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de se faire entendre. Pourquoi tu parles pas à Erin des animaux qui ont fait exploser l'hôtel où se trouvait son grand-père ? De l'un de ces animaux, au moins. Me parler de quoi ? De qui ? C'est sans importance. Mon père était un de ceux qui ont posé la bombe. Ceux qui ont fait exploser l'hôtel ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Croche, maman, s'il te plaît. Bonjour, c'est Chris. Je regrette de ne pas pouvoir prendre votre appel. Laissez-moi un message après le bip et je vous rappellerai. Bonsoir, maman, c'est moi. Faut surtout pas t'affoler, mais il s'est passé quelque chose de grave. Ça va, je suis pas blessée, mais il y a eu... un attentat suicide. Le frère d'Elisa a été blessé et je suis un peu sous le choc encore. J'ai vraiment envie de rentrer à la maison, s'il te plaît, maman. Je veux rentrer à la maison. Bien sûr, dans les journaux, qu'il y a eu des émeutes à Manchester et que des biens appartenant à des juifs ont été saccagés après l'explosion de la bombe au King David. Que ce soit bien clair, il n'y aura pas de pillage, pas de saccage volontaire. Aucun acte de représailles dirigé contre la population juive ne saurait être toléré. Cette mise au point terminée, nous sommes ici aujourd'hui pour donner une leçon à ces gens-là. Il n'y aura aucun tir de sommation. Tirez à vue sur tous ceux qui enfreindront le couvre-feu et sur tout terroriste potentiel. Allez-y.
personne n'est entré ou sorti? Ils sont tous bien sages depuis minuit, sergent. Il est où? L'Irgun l'a emmené la nuit dernière, apparemment. C'est ce que la famille vient de nous dire. Il savait qu'on allait venir. C'est certain. Ils sont placardés dans toute la ville. C'est le plan de toute cette opération. Les indicatifs radio, tout. Mon capitaine, est-ce que nous devons continuer? Bien sûr. Ils ont hébergé un déposeur de bombes du King David. Il n'a rien à voir avec l'attentat du King David, mon capitaine. Où allez-vous, Begdar? Je supplie de ne pas faire sauter leur maison. Par pitié pour ses enfants. Emmenez-les à Gaer Meir. Ils me tireront ça au clair. Allez, venez. Faites-les monter. Toujours rien? Non, sergent. Toujours rien? Non. Ils ont tout nettoyé, comme d'habitude. Et où est Alec? J'en sais rien. Je l'ai pas vu, sergent. Ah, sergent. T'étais passé où? Je suis juste allé pisser.
les chambres à gaz, c'est par là. Par ici pour les chambres à gaz. Allez les jeunes, par ici pour les chambres à gaz. Ça suffit, un mot de plus et c'est la cour martiale. Je suis désolé, ça n'aurait pas dû arriver. Tut mir leid. Kann nicht sein. Jackie, viens voir. Tiens, mets ta main là-dessus. Tu sens? C'est un conduit d'aération, il y a quelque chose sous terre. L'entrée doit pas être très loin. Quand même, c'est pas ici qu'ils vont cacher quelque chose. Sergent, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Jackie. Lucie. Tu ressembles à un putain d'Allemand dans un camp de prisonniers de guerre. Jackie. Tu te demandes peut-être où ça mène, hein? Tiens, ça doit être l'aération qui mène au tourniquet. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, c'est pour moi. On ne sait jamais. Peut-être. Oui. Les armes découvertes à Meshek Yagur, mon capitaine. Merci. Asseyez-vous, Len. Ce qui s'est passé ce matin est extrêmement grave. Alors que nous avons pris des mesures draconiennes pour garder secrète l'opération Bulldog, Irgun la connaissait dans les moindres détails. Vous avez une idée de ce qui a pu arriver? Non, mon capitaine. Vraiment aucune idée. Alec Ayman, il est dans votre unité, je crois.
Oui, mon capitaine. Qu'est-ce que vous pensez de lui? En tant que soldat ou en tant que juif, mon capitaine? Non. Oh. Je crois me souvenir que vous avez insisté pour qu'il reste lorsque nous sommes arrivés. Oui, mon capitaine. Vous n'avez donc aucun doute sur ce soldat? À quel sujet, mon capitaine? Pensez-vous qu'on puisse lui faire confiance? Oui, mon capitaine. J'ai confiance en lui. Vous avez eu droit à la sérénade? Oui. Vous savez ce que c'est comme fleurs? Des coquelicots? Non. Non, ce sont des anémones. En hébreu, ça se dit kalaniot. C'est le titre de la petite chanson qu'ils vous ont chantée. Rouge comme le béret des parachutistes. Noir comme leur cœur. C'était tout sauf gentil, j'en ai peur. Mohamed, tenez. Donnez-les à votre femme. Merci beaucoup, monsieur. J'espère pour toi que tu as un bon appétit. Pourquoi? Oh, parce que tu peux être certain que Mohamed va t'inviter à dîner chez lui. À partir de maintenant, il est ton obligé. Tu vas plus pouvoir t'en débarrasser. Bonjour. Ça va? Bienvenue. Voilà mon cousin Hamid. Ah bonjour. Voilà mon frère. Très heureux. Bonjour. Lui c'est Adoukad. Bonjour. Lui c'est Salah. Bonjour. Et voilà mon fils Hassan. Ah, salut. Bonjour. Vous êtes le bienvenu. Très heureux, merci. مش هالدرجة محوش يعني انه تضل عند رايلة ان شاء الله لازم ترجع لي شو تساوي يعني المرة بتضلها مرة الزلمة بتضل الزلمة يعني هات هات Je vous en prie. Merci. C'est délicieux. Quand est-ce que je verrai votre fille et votre épouse? بسأل وين انت تشوف المرة والبنت بعرف شو العادات والتقاليد عندنا dans notre pays monsieur ce n'est pas la coutume je suis désolé toutes mes excuses je ne voulais pas vous offenser non tu ne peux pas m'offenser tu es mon frère s'il te plaît يا حبيبي احسن المصريات اللي باخذهم من احسن اللي باخذهم من البلد Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Tu peux peut-être nous expliquer. Oui, je peux essayer. Merci beaucoup. Pourquoi les Britanniques avec les Juifs, ils prennent autant de gants? Quand on s'est révolté juste avant la guerre, vous n'avez pas hésité à nous traiter brutalement.
Les Juifs devraient danser de joie dans les rues, alors qu'ils attaquent précisément les militaires qui leur ont ouvert notre pays et leur ont donné la permission de rester. Le problème a commencé quand des Juifs sont arrivés d'Europe. Ceux-là, ils veulent tout, toute notre terre. S'il te plaît. Merci beaucoup. Eux, ça ne les intéresse pas de vivre en bon voisinage avec nous. Tu es ici chez toi. Merci. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Bon retour, au revoir. Salam. Shabsham. Je peux te prendre en photo avec ta famille? Je pourrais vous l'envoyer pour vous remercier de votre hospitalité. Non, avec toi. Tu dois être sur la photo. Hamid va la prendre. Hamid! Il faut regarder là, dans le viseur. D'accord. Et tu appuies ici. D'accord. Merci. Allez. Qarab. Mungkin akum bersura? Tali. C'est ma fille, Jaouida. Oui. Ça va? Oui, merci, ça va. Je venais juste pour te dire qu'il y a un vol demain, à 4 heures, si c'est toujours ce que tu veux. Merci. J'attends que ma mère me rappelle, mais je suis sûre que ça ira. D'accord. Essaie de pas nous juger trop durement. Après ce qui vous est arrivé à toi et Paul aujourd'hui, tu nous as vus sous notre plus mauvais jour. Et je voudrais pas que tu partes en pensant que ce sera toujours comme ça. Nous finirons bien par établir une paix juste, un jour ou l'autre. Personne ne t'oblige à partir. Je tiens à ce que tu le saches. Elisa est très heureuse que tu sois là. Nous le sommes tous. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un moment où vous avez besoin d'être seul. D'être en famille. Très bien. Il vaudrait mieux faire tes valises alors. Quant à moi, la vie telle que je la connaissais est terminée. J'ai l'impression d'avoir déçu tous ceux qui m'ont fait confiance. Je n'ai plus rien à attendre de l'avenir à part un long séjour en prison et un renvoi de l'armée pour manquement à l'honneur. En prison ? J'aimerais pouvoir me dire qu'un jour je trouverai un moyen de rendre sa clé à Mohamed. Je lui dois bien ça, au moins. Encore que je ne sois pas sûr d'avoir le cran de lui faire face après ce que j'ai fait.
Oui, maman. Oh, Erin, quel soulagement. Je viens de voir les infos, j'ai trouvé ton message après. Dis-moi ce qui s'est passé, ça va? J'ai rien. Excuse-moi pour le message, j'étais un peu secouée quand je l'ai laissé. Oui, dis-moi ce qui s'est passé, est-ce que ça va? Oui, j'ai rien de grave, je t'assure. Juste une coupure minuscule, ça se voit à peine. Bon. Écoute, il faut que tu rentres à la maison. Tu es en état de voyager? Tu as besoin que je te réserve le vol? Non, le père d'Elisa s'en occupe, ça va. Et maman, dis-moi, comment va grand-père? Quoi? Il va bien, il se sent un peu mieux, mais pourquoi tu me parles de lui? Ah, super, c'est une super nouvelle. C'est vrai qu'il a fait de la prison? Maman? Attends, Erin, de quoi tu parles? Tu viens d'échapper à un attentat, je suis folle d'inquiétude et on doit te faire revenir à la maison. Pourquoi tu me poses des questions idiotes sur ton grand-père? C'est pas des questions idiotes. J'ai gardé son journal intime, maman. Il en parle de la prison. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce qu'il n'y a rien à en dire. Ce n'est pas quelque chose dont on est particulièrement fier. Qu'est-ce qu'il a fait, alors? Je sais pas, il en a jamais parlé. Mais t'as pas essayé d'en savoir plus? Peut-être que ça explique tout. Comment il était après, pendant ton enfance, pourquoi il était si malheureux. Erin, écoute, je te l'ai dit. C'est très personnel, un journal intime. Tu n'aurais jamais dû le lire. Bon, ton avion part à quelle heure? Je viens te chercher à l'aéroport. Il n'a jamais parlé d'un arabe qui s'appelle Mohamed. Erin! Je sais pas encore. C'est pas encore décidé. Et quant à moi? Quant à moi, la vie telle que je la connaissais est terminée. Je n'ai plus rien à attendre de l'avenir à part un long séjour en prison et un renvoi de l'armée pour manquement à l'honneur. J'aimerais pouvoir me dire qu'un jour je trouverai un moyen de rendre sa clé à Mohamed. Je lui dois bien ça, au moins. Ça va? Tu pars à quelle heure? Je veux rester. Si c'est possible. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Oh, rien. C'était la panique dans ma tête, j'ai pas assuré. Tu es mon amie. Pas question de me tirer et de te laisser vivre ça toute seule. T'es la meilleure. Et 3 jours en plein désert. C'est génial. T'as qu'à m'accompagner. Erin a décidé de rester jusqu'à ce que j'aie fait mes classes. Mais ta mère pense que tu vas rentrer maintenant, non? Non, c'est bon, je lui en ai parlé, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Je me demandais si... je pourrais faire connaissance avec le grand-père d'Elisa. Ça m'intéresserait beaucoup de lui parler.
Je vais annuler ta réservation. Salut. Non, merci. C'est douloureux. Oh, ça va, je sens rien. C'est Paul le vrai blessé. Comment va-t-il? Ça a l'air d'aller. Tu devrais lui rendre visite. Alors, tu veux aller à Ain Houd? Oui, j'ai une carte dans mon sac. C'est pas la peine, je sais où c'est. Tu pouvais pas emprunter une voiture? Je sais pas encore conduire. Tu pourrais m'apprendre, peut-être? Oui, je pourrais. En plus, c'est un village palestinien et j'ai pas parlé arabe depuis des siècles. C'est là? Oui. Je reste là, je crois pas que je te serai très utile. Quelqu'un? Oui. Pardon. Excusez-moi. Je cherche une famille palestinienne qui vivait ici il y a longtemps. C'est écrit que tous les Arabes sont partis en 1948. Oui, effectivement. Mais ça ne dit pas où ils sont allés. Ah, mais qu'est-ce que j'en sais? Dans un camp de réfugiés en Jordanie, probablement. Je crois que quelques familles ont déménagé un peu plus haut dans la montagne. Tu peux essayer d'aller voir. Merci. Thank you.
كان ساكن تحت متطلب المهم قسم منا نتهجر قسم منا نلعب بلد تاني الصبي معي هون جاي من بريطانيا سيدة باكي جندي عزمنا الانتداب وعم بتفتش على صاحبه شوف بتخيل أبوي واعي هديك الفترة أحسن مني أكيد بيقدر يساعدك تسلم كون منيح إذا نتأكد أن العيلة موجودة Tu pourrais pas juste lui demander? Il s'appelait Abou Hassan Mohamed. J'ai pas beaucoup d'argent, tu sais. C'est un nom très répandu, ça veut juste dire Mohamed, père de Hassan. Et je lui ai demandé, il va poser la question à son père. Saha wana. Islam. Quand les Juifs sont arrivés en 48, وي فيها يا بحبيبتي وحط صينية على الطاولة تفضلي ميرسي اسلموا Quand les juifs sont arrivés en 48, j'étais encore très jeune, j'avais 5 ans. Ils nous ont tous rassemblés pour nous emmener dans un camp de prisonniers. Et c'était très loin ? Loin, très loin, en Galilée. Alors comment ça se fait que vous vivez là ? قصة طويلة وحزينة. Il dit que c'est une histoire longue et triste. Ça a pris plusieurs années. Mon père et mon frère sont morts au cours du voyage. Mais avec l'aide de mon oncle, on a quand même réussi à revenir. J'avais grandi, je devais avoir 12 ans. On a été rejoint quelques temps après par d'autres personnes du camp. Mais quand on est revenu dans le village, on a trouvé des familles juives installées dans nos maisons, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Alors nous, on est montés à pied jusqu'au champ qu'on cultivait avant. Et c'est là qu'on a vécu d'abord même la terre. On a mangé là, on a dormi là, sur la neige les uns à côté des autres, à même le sol, jusqu'à ce qu'on ait assez d'argent pour construire. On a construit d'abord une maison, ensuite deux. Alors en fait, ici c'était... Oui, oui, tout ça, c'était des vergers. Partout. Avant que les Juifs arrivent, on vivait en bas, là où vous étiez, et on montait travailler ici. Mais c'était avant. Toutes ces terres nous appartenaient. Mais est-ce qu'il reste quelqu'un qui se souvient du village avant 1948 ? Il dit qu'il va trouver quelqu'un si tu veux. Merci. Merci à toi. Finis ton café. Il est là-haut sur le toit. اهلا وسهلا تفضلوا السلام عليكم السلام عمي بتذكر ابو حسن محمد ها بتذكر ابو حسن محمد كان ساكن بهذا البيت Il dit que c'est difficile de se souvenir beaucoup d'hommes de ce village travaillaient pour l'armée lui aussi pendant quelque temps Si on allait sur place, tu crois pas que ça l'aiderait ? On trouverait sûrement la maison qui est sur la photo. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ne descends jamais, Erin. On peut faire un tour en voiture avec lui. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? C'est quand même pas si compliqué. كانت دار سيدي أمي خلقت هناك كان في دالي كبيرة ورا الدار ومدرستي بالشارع اللي حد هناك وأنا مروح من المدرسة كنت أزور عمتي وولادها Qu'est-ce qu'il a dit là? Il parle des gens qu'il connaissait quand il vivait ici. هذا كله جديد هون. سك الله على أيام زمان. Il est triste.
ديان دي عدار واقف واقف هاي داري هاي داري هذا كان بيتك؟ أيوة Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'endroit où il vivait. Ya Allah. Ça faisait combien de temps qu'il n'était pas venu? Tu ne comprends vraiment pas. Il n'était jamais revenu ici. Il n'est pas le bienvenu. S'il se souvient qu'il vivait dans cette maison. Ami, عندك علم مين كان ساكن بهذه الدار؟ Abou Hassan. Il a dit Mohamed? Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un prénom très courant. Ah, il sait où ils sont allés? عندك علم وين ممكن يكونوا اليوم؟ راحوا على الخليل. عند ولاد عمي. Ils sont allés vivre chez des cousins à Hébron. C'est quoi le problème? Hébron n'est pas un endroit très agréable pour un Palestinien ces temps-ci. صعب علي صعب كتير بس منيح اللي رحت Il te remercie encore. Il dit qu'il est heureux d'y être retourné, même si ça lui a fait de la peine. Une adresse à Hébron. Mais elle te servira sûrement à rien. Ça fait des années qu'il n'a plus de nouvelles. Merci en tout cas. Merci d'avoir fait ça. De rien. Si j'avais besoin d'aller à cet endroit, tu m'emmènerais? Demande à Paul quand il sera rétabli. Il a été soldat là-bas plusieurs années.
Une photo, s'il te plaît. Juste en souvenir. Dis-moi, pourquoi c'est tellement important de trouver cette famille ? Je sais pas, je crois que mon grand-père leur a fait du tort. La seule certitude que j'ai sur mon grand-père, c'est qu'il a été malheureux toute sa vie. Et ma mère refuse de m'en parler. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Mon petit soldat. Voilà, Irine. Heureux de te rencontrer. Moi aussi, bonjour. Venez dans la maison, s'il vous plaît. Merci. Je suis très heureux que tu me rendes visite. Ça faisait tellement longtemps. Oui, tellement longtemps. Ouais. Tellement longtemps. Donne-moi des nouvelles de Paul. Ah, tu sais comment il est, grand-père. Il s'inflige des séances de kiné 2 fois par jour. Je pense qu'il va avoir la convalescence la plus courte de toute l'histoire de la convalescence. Et bien sûr, il ne veut rien entendre contre les gens qui ont voulu le tuer. Et ton père ? J'aurais pensé que même lui, il allait prendre le temps de réfléchir un peu après qu'une chose pareille soit arrivée à son fils. Il est bouleversé. On l'est tous. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, jeune fille ? J'avais envie de vous demander, après la guerre... Oui ? Vous étiez dans l'Irgun. Oui. Et déjà avant. Je me demandais... Pourquoi vous haïssiez autant les Britanniques ? Non, c'est faux, on les haïssait pas. En tout cas, pas en tant qu'individu. Comme beaucoup de mes camarades, j'étais dans l'armée britannique pendant la guerre. Tu le savais, ça ? Erin, tu ne t'es jamais demandé qui nous avait appris à tuer ? Oui, mais les Britanniques se sont battus pour les Juifs. Oui. Pourquoi vous vous êtes retourné contre eux ? Mon grand-père disait que c'était de l'ingratitude. De l'ingratitude ? De l'ingratitude. Tu la connais bien, ton amie Elisa, Irine ? Ah. Je crois que je la connais plutôt bien, oui. C'est ma meilleure amie. Oui. Tu la connais bien. Alors tu dois savoir, par exemple, que son arrière-grand-père, mon père, est mort au camp de concentration de Buchenwald. Non, je savais pas. Non ? Elle t'a parlé de son arrière-grand-mère ? Ma mère ? Ou de sa grand-tante ? Ma sœur ? Ou de son grand-oncle ? Mon frère ? Tu savais qu'ils avaient tous subi le même sort pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Non. Non ? Elle ne te l'a pas dit ? Bien sûr que non. Pourquoi te l'aurait-elle dit ? Aucun de ces dangers-là ne menace Elisa, ni personne de sa génération. Et tu sais pourquoi ? Parce que les gens de ma génération... Je veux dire, ceux qui ont réussi à survivre étaient déterminés à tout faire pour que le peuple juif, quoi qu'il arrive, ne capitule plus jamais devant la menace de génocide. Nous étions déterminés à construire le pays. Ici, en Eretz Israël, où nous pourrions être en sécurité pour toujours. Pour toujours. Et les Britanniques nous en empêchaient. Il ne s'agissait pas de savoir avec qui nous avions été copains ou pas pendant la guerre. Ils se dressaient sur notre chemin et on s'est débarrassé d'eux.
C'était aussi simple que ça. Il a été capturé au cours d'une opération qui visait à prendre le contrôle du poste de police de Tibériade après avoir réussi à tuer trois ennemis. Abraham Klein a été grièvement blessé au cours de cette opération. Alors qu'il lutte à l'hôpital pour rester en vie, les forces d'occupation britanniques ont condamné ce courageux combattant à la mort par pendaison. Écoutez attentivement, soldats britanniques, pour tout ce que vous ferez à l'un des nôtres, nous ferons la même chose. Je vais vous dire, moi, ce que j'ai envie de lui faire à cette salope. Si vous pendez un de on s'en doute de ce que t'as envie de lui faire, espèce d'obsédé. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ressemble à un gros masque. C'est pas ce qui t'arrête d'habitude. Est-ce que t'essayes d'insinuer que j'ai mauvais goût? Quand je pense aux souris que tu nous ramènes, je te jure, j'ai vu des serpillières qui avaient plus de charme. Notre armée grandit chaque jour, tout comme notre motivation.